Bonsoir à toutes et à tous. Je suis enfin rentré en France. Vous pouvez voir toutes les vidéos des spectacles que j'ai vus à Sydney, à Melbourne et à Tokyo sur la chaîne. C'est les 5 dernières vidéos. Ce soir, je suis à Sceaux et je vais aux Gémeaux pour voir le Peer Gynt d'Ibsen, mis en scène par David Bobet. J'ai un tout petit doute sur la prononciation de Peer Gynt. Et la dramaturge, c'est Catherine David. Et je la cite parce qu'on cite rarement les dramaturges des spectacles, mais elle, non seulement elle est dramaturge, mais en plus elle est comédienne, elle est sur scène. Et je me souviens qu'elle avait été incroyable dans Lucrèce Borgia. Elle avait le rôle de la Negroni, un monologue qui m'avait captivé. Donc elle est fascinante en tant que comédienne, et je pense que son travail de dramaturge est aussi assez intéressant. Et donc on va voir ça ce soir. Les critiques sont assez bonnes pour le spectacle. Moi j'arrive un petit peu à la bourre là. Est-ce que ça se termine le 4, en 5 jours, 6 jours? Est-ce que je serais pas allé trop loin, moi? Peer Gynt, donc, c'est une quête de soi, c'est une quête d'identité. Et c'est une quête d'identité qui se fait beaucoup à travers le mensonge. On va voir ce que nous en fait David Bobet. À tout à l'heure. En fait, on dit Peer Gynt. La scéno est hyper imposante. Et sur le coup, je me suis dit, tiens, c'est fou, c'est hyper chargé. Et en fait, pas tant que ça. C'est surtout quelques gros éléments qui évoquent la fête foraine. Donc, cette immense tête de clown, cette attraction, enfin ce... comment on appelle ça? Un grand 8. Puis la terre battue au sol. Et en fait, ces quelques éléments suffisent à évoquer la fête foraine, une fête foraine désaffectée. Et je crois que du coup, ça nous emmène dans un imaginaire aussi de la fête foraine, justement. Et c'est pour ça que j'avais l'impression que c'était chargé, qu'il y avait beaucoup plus de choses. Enfin, c'est suffisant. Et surtout, ils sont très très bien faits. C'est très beau. Ça fait pas de cheap, il y a un vrai côté réaliste, quoi. Alors par contre, est-ce que c'est légal de chanter les sardines sur une scène nationale? Je suis pas sûr, moi. Pour l'instant, je trouve ça super. Et par contre, le seul problème, c'est que je pense que je suis encore un petit peu sur le jet lag. Et je suis claqué. Ça a beau être très bien, je somnole facilement. Hein. Allez, j'y retourne. Bon, c'était très bien, mais on en parle plus tard, parce que là, faut courir jusqu'au RER, parce qu'il est 23h44, et que le dernier est genre dans 10 minutes, et que j'ai pas très très envie de faire saut Saint-Denis à pied, ni en taxi. Et oui, j'ai eu mon RER. Bon, bah moi j'ai trouvé ça vachement bien, même si, comme je vous l'ai dit à l'entracte, j'ai quand même vachement lutté contre le sommeil. Parmi les comédiens et les comédiennes, donc il y a Catherine DeWitt, dont je vous ai parlé, je trouve toujours aussi génial. Il y a aussi Jérôme Bideau. Jérôme Bideau, je l'avais vu dans Lucrèce Borgia. Ce mec, il a une désinvolture. Mais t'as jamais vu un acteur avec une désinvolture pareille, quoi. En même temps, il te charme de ouf, il racole complètement. Mais il le fait avec beaucoup de talent et c'est ça qui fonctionne. D'ailleurs, c'est lui qui répond à la question « Qui es-tu ?» qui est un peu la question leitmotiv du spectacle. Hein. Et il répond « Moi-même, peux-tu en dire autant ?» Et je trouve que cette réponse, dans sa bouche, la façon dont il le dit, je sais pas, ça apporte quelque chose en plus que cette simple réponse, même si déjà la phrase de base est quand même hyper intéressante. Et puis il y a Radouane Laflaï, qui a le rôle de Peer Gynt. Le mec, il est là pendant 3 heures avec une énergie, il lâche pas son truc, il est hyper présent. De toute façon, vous lirez ça partout, j'ai pas vu une seule critique qui mentionne pas la révélation qu'est ce garçon. Et alors par contre, je suis sûr de l'avoir déjà vu quelque part, ailleurs que chez Bobet, mais quand je regarde sa bio là... Ouais, non, je vois pas. Enfin bref, l'autre point, par rapport à la fête foraine, puisque j'ai parlé de la scénographie, mais c'est pas mentionné dans le texte que c'est une fête foraine, c'est un choix de mise en scène, c'est que la fête foraine, c'est vraiment l'endroit qui permet l'imagination, qui permet le mensonge. C'est vraiment le lieu des bonimenteurs. Cet après-midi, juste avant d'aller voir le spectacle, j'ai vu The Greatest Showman, le film avec Hugh Jackman, qui est donc aussi sur l'illusion, le rêve, le mensonge, et comment aussi le mensonge peut parfois répondre à nos illusions et à nos rêves. Et qui traite aussi de la quête de l'identité, puisque le personnage veut s'élever socialement, et il ne réussira jamais. Il est socialement marqué. Quoi qu'il fasse, on lui rappellera toujours ses origines sociales. Dans Peer Gynt, c'est pas ça, mais il y a quand même cette idée d'emprunter plusieurs masques, d'emprunter plusieurs rôles, pour tenter de se trouver, tenter de se définir. Et je reviens sur la fête foraine. C'est aussi l'endroit où on joue à avoir peur. On joue dans des miroirs qui nous déforment. On joue avec des clowns qui dissimulent leur visage avec beaucoup de maquillage. Donc c'est l'endroit du faux absolu. Et en même temps, c'est l'endroit où on a une pleine conscience du faux et où on joue du faux. Dans une fête foraine, on est tout à fait conscient de l'illusion et il y a une convention tacite comme ça entre les bonimenteurs et nous. Et je trouve que pour réfléchir à comment on peut se connaître soi-même, effectivement, la fête foraine est un bon cadre. Comble du comble, quelle journée! J'ai regardé l'interview d'Olivier Pie dans Stupéfiant, où il parle de son personnage de Miss Knife, et où il parle de comment, en fait, le travestissement
lui permet d'être beaucoup plus à nu que lorsqu'il est en civil, en homme, à la ville. C'est quelque chose qu'il a beaucoup développé dans plein d'interviews. Toujours trouvé ça intéressant de dire que c'est à travers les costumes, à travers les des rôles qu'on se révèle le plus nous-mêmes. Donc ouais, beaucoup aimé ce Peer Gynt et je vous le conseille. Et je vous dis à bientôt.